Vive la solidarité. Le vivre ensemble égale tolérance. Des mots d'enfant pour exprimer la tonalité bienveillante de cette fête de la solidarité organisée à Aubergenville. Une quinzaine d'associations étaient présentes pour sensibiliser le grand public aux actions menées auprès de ceux qui n'ont pas été épargnés par les ennuis de santé. Des jeux, des tests grandeur nature ou bien la présentation d'outils qui simplifient la vie des personnes en situation de handicap. Il y a par exemple le signe chèque, je montre, pour on met sur le chéquier. Et là, on peut signer directement pour les malvoyants. Pas toujours facile de s'engager. Pourtant, certaines associations ont besoin de nouveaux bénévoles pour les représenter. Je lance un appel pour les valides, parce que les valides, en tant qu'adhérents à FSEP, ils pourraient soutenir aussi les malades. La solidarité, l'affaire de tous. À la Maison des Arts, certains ont choisi de faire passer un peu d'émotion à travers quelques pas de danse ou quelques notes de musique.